Donc la municipalité de Saint-Paul-Trois-Châteaux organise aujourd'hui une journée dédiée à la lutte contre le harcèlement scolaire. Donc il y a eu des scénettes de théâtre, il y a eu des jeux, un jeu interactif où on a eu beaucoup de monde, des jeux aussi sur les différents stands, des baptêmes moto organisés par les bikers et un jeu de cartes. Donc la ville de Saint-Paul-Trois-Châteaux remercie les partenaires présents aujourd'hui. Donc pour le théâtre, c'est la compagnie Les Haut-Parleurs et l'Impodrome, la gendarmerie, la police municipale, les bikers, les Lac Spirit MC City of Pops, l'association ATRE, Mosaïque, les enseignants de l'école du Rosseguin et l'éducation nationale, donc le délégué départemental Monsieur Jacob, les deux psychologues scolaires et les parents d'élèves représentant la FCPE. Donc cette journée s'intègre dans la semaine de lutte contre le harcèlement scolaire que la ville de Saint-Paul a mis en place pour la première année. Nous avons donc fait différentes manifestations. Donc l'idée de cette semaine de lutte contre le harcèlement scolaire était de permettre aux parents ainsi qu'aux enfants de rencontrer les acteurs locaux qui œuvrent au quotidien sur cette cause. Nous espérons qu'ils auront trouvé réponse à leurs questions. Nous avons initié cette année cette semaine de lutte contre le harcèlement scolaire que nous espérons reconduire pour les années prochaines.